Il y a 20 personnes qui présentaient tête yo comme victimes coopératives 10-12% yo dans l'année 2002-2003. Te planté piquette yo journée mardi devant local Conseil national coopérative yo CNC dans objectif pour forcer autorité yo mettre en application décision la justice sorti en faveur yo depuis la date 15 octobre 2008 pour réparer victimes yo yoté déchets pillés. Coordonnateur Konasovic là dans intervention li dénoncé décision li dit qui toujours sorti dans paquet Port-au-Prince chaque fois gagne un juge qui décide tendre plaisir ancien responsable coopérative qui était parti avec l'argent en pile citoyen. Dans ce sens, Rosemont Jean a annoncé pour jeudi 27 mars un autre sit-in devant Paquet pour continuer à dénoncer la corruption, li di ki gen nan appareil judiciaire. Rosemont Jean. Nous devons CNC Jotia, dans l'objectif pour nous dire à l'État, CNC, Conseil national coopératif, président Matéli, nous avons un directeur dans la tête. Depuis le directeur Samonté, il va prendre contact avec la victime. C'est comme si l'argent était perdu, l'État n'a aucune responsabilité. Nous venons là pour nous dire CNC, nous ne pas demander faveur, nous ne demander solidarité. Nous demandons une injonction que la justice haïtienne fait à l'État haïtien pour réparer les victimes coopératives. Et le jugement s'arrête dans le tribunal première instance le 15 octobre 2008 qui condamne l'État conjointement, solidairement, l'un ou l'autre pour rembourser les victimes coopératives. Mal, j'ai dit 27 mars, nous devons paquet et jusqu'à ce que président Matéli, premier ministre Laurent Lamothe, parce que les gens qui protègent David Chéry, ils prennent l'argent nous. Il y en a qui font radio à l'argent. Il y en a qui font spot pour David Chéry, qui font David Chéry vidéo tout puissant au détriment de nous-mêmes, qui c'est Vanipié. Eh bien, nous disons, Vanipié pour faire résistance et nous, dans le cas de finale, nous faisons finale avec le président Matéli, parce que faut que nous jouions réparation à la justice pour vidéo.